on y est presque. Encore un effort. Ah, attends un instant. J'en peux plus. Je ne suis pas sûr d'en avoir la force. Monsieur Fielding, il ne faut pas qu'ils arrivent avant nous. Allons-y. Allez. Il est là! Ouais, je le vois! Hé, tu vois, il est là! Ouais, ouais, on va l'avoir! Allez, les gars! Ouais, là-haut! Tiens, je le vois! Il est échappé! Tu l'as eu, Fred. Ah, le joli tir, ils ont en plein cœur. Un tir parfait. Ah, quelle belle peau. On va en tirer un bon prix. Allez, au travail. Arrêtez. La prochaine fois, je vous raterai pas. Alors jetez vos couteaux. Tu te prends pour qui? Daniel Boone? Tu n'as aucun droit sur cette peau. Vous braconnez sur ma propriété, vous n'avez pas le droit. Elle est morte, Jack. Monsieur Fielding, à présent, je vais vous montrer ce qu'on entend en Alaska par justice. Je ne tirerai pas comme ça. J'ai une CB dans ma voiture et je vais appeler la police. Vous avez tout intérêt à utiliser cette CB pour joindre le garage du carrefour. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On est tombé sur votre voiture tout à l'heure en venant ici. Et j'ai voulu régler l'allumage. Elle tourne plus très rond. Il y a au moins 20 ans que je ne me suis pas senti aussi bien. Et maintenant? On enterre la louve et on remonte ses traces. On remonte ses traces? Pourquoi faire? Et pour trouver ce qu'elle voulait protéger. Eh ben, si je m'attendais. Salut, toi. Et il n'y en a qu'un seul. Oh. Elle a dû perdre le reste de sa portée. C'est pas étonnant qu'elle ait cherché à éloigner ses braconniers. Et il pèsera combien, une fois adulte? Moi, je sais pas trop. On dirait que maman loup va fauter avec un chien esquimau. C'est un demi-loup. 50 kilos? 60? Oui, à peu près. Pourquoi? Jack, tu sais, quand je repars à Los Angeles et que je replonge dans toute cette agitation de la finance, des affaires, dans toute la démence de cette vie... Toutes ces journées passées avec toi à la montagne me semblent irréelles, comme si elles n'avaient jamais existé que dans mon imagination. Je pense qu'il serait bon que je l'emmène avec moi. Oui, pour qu'il me rappelle quelles sont les choses vraiment importantes de cette vie. Ah. Et je sais pas quoi dire. Il faudra que je le dresse un peu avant que vous ne l'emmeniez en ville. Bien sûr. Il a besoin d'espace, d'un très grand espace. D'accord. C'est d'accord. Il est à vous. Et si quelque chose devait un jour m'arriver, j'ai l'espoir qu'un de mes amis viendra jusque chez moi et qu'il prendra soin de lui. Et qu'il le soignera comme il se doit. C'est la seule chose qui me déciderait à me rendre en ville. La seule chose. Le monde de la communication et de la finance a été atterré par l'annonce de la mort soudaine de Winston Fielding. En 1956, il fondait une petite radio locale qui est devenue aujourd'hui l'empire que l'on connaît. Il avait 62 ans.
Non, merci. Est-ce que tu... Oui, je m'en occupe. Est-ce que je peux vous aider? Je suppose que oui. Monsieur Fielding était un de mes amis. Je suis ici pour présenter mes respects et reprendre mon loup. Allez, viens. Viens, viens. Il est en photo sur la cheminée, avec ton père et le grizzly. Ça va, toi? Tu le connais? Papa a très souvent parlé de lui, mais je ne le connais pas. Comment s'appelle-t-il? Jack McCall. Est-ce que vous me parlez? Non, nous parlions de votre animal. Quelle est la part du loup en lui? Très suffisante. J'aimerais vous parler un instant. Assis. Bien. Quelque chose ne va pas? Non. Je voulais simplement vous dire que j'ai été désolé d'apprendre la mort de votre père. C'était un homme bien, parmi les meilleurs. Je servirai un verre de whisky pour lui. Je ne comprends pas, je le crains. Voyez-vous, quand un bon montagnard meurt, on sert des biscuits et un verre de whisky. Et ensuite, on allume une chandelle pour que son âme ne se retrouve pas dans le noir. Une fois que le vent a soufflé la chandelle, on boit le whisky et on a une pensée pour lui. Je n'avais jamais entendu une histoire pareille. Non, j'en suis sûr. Rien d'étonnant d'ailleurs en vivant en ville. Ben, je ne sais pas comment vous faites. Si vous me permettez, mademoiselle, je prends mon loup et je m'en vais. Non, monsieur McCall, ne partez pas encore. Excusez-moi. Je viens de parler avec le notaire et il souhaite que vous soyez présent pour visionner le testament. Visionner? Voilà. On y est. Très bien. Chers amis, bonjour. Ou bonsoir. Ou bonne nuit. Enfin, peu importe quand vous regarderez cette cassette. Voici l'heure et la date en bas et à droite de l'écran du téléviseur. Ainsi, vous saurez quand j'ai enregistré. Quand est facile à expliquer. Pourquoi j'ai fait cette cassette sera probablement un peu plus compliqué. Voici mes dernières volontés et mon testament. Si je procède de cette manière, c'est afin de dire les choses sans détour, en oubliant les tournures alambiquées. Je veux expliquer pourquoi j'ai décidé de disposer de cette fortune malhonnêtement gagnée qui est la mienne. Pour être franc, j'en ai assez de m'excuser d'être devenu riche. Ma fortune n'a pas du tout été malhonnêtement gagnée. J'ai travaillé dur pour la bâtir et j'ai toutes les raisons de m'en montrer fier et d'en disposer aujourd'hui de la façon qui me convient. Je parlerai tout d'abord du personnel de maison et de Gretchen. Gretchen s'est consacrée à mon bien-être et à mon confort personnel. Elle a tenu cette maison avec une efficacité digne d'éloge. C'est pourquoi j'ai décidé de lui léguer la somme de... Place maintenant à l'homme qui aura pour mission d'assurer l'avenir de notre société et de ses projets. Hé, vous! Hé, là! Oui. Est-ce que vous savez lire? Tenez votre chien en laisse. Ah, ouais? Vous ne voyez pas ce qu'il fait, cet animal? Ah, si. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, cow-boy? Eh bien, en tous les cas, ça n'est pas moi qui lui ai appris à faire ça. Et en outre, je ne suis pas un cow-boy. Mais cet animal n'est pas tout à fait un chien. Alors je vois pas du tout ce que je peux faire. Donnelly. Ton nom. Nous avons souvent été dans le pétrin, ce monsieur et moi. Des mauvais pas qui en auraient poussé plus d'un à laisser tomber. Ah, mais si vous aimez, c'est pas un
interdit d'avoir un animal. Non mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Mais je dois m'occuper de lui, mais c'est insensé. Couchez, donnez-lui. Allez, donnez un coup de main, hein, et ne le brusque pas. Je vous l'accorde, cet homme n'a que peu d'expérience du milieu de l'édition et de la communication. Par contre, il a l'expérience d'un homme qui est son propre patron. Croyez-moi, en toute sincérité, c'est l'homme le plus libre que je connaisse. L'animal, qu'est-ce qu'il devient? On s'en occupe. Avec lui, nous... Je vais en discuter avec mes avocats, c'est la seule chose qui me reste à faire. Mais que se passe-t-il? Où est passé le propriétaire de ce chien? Qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a mis en prison, mademoiselle. Gentil, le chien, gentil. Un nouveau. Bien. Cowboy. T'as une sèche? Une quoi? Une cigarette, à boule, t'as besoin de protection. Me protéger de quoi? De moi. De toi? T'as pigé, mec. Hey. Je fais partie des chefs. Bon, alors explique-moi, grand chef, on est dans ton wigwam. Mon wigwam? Mon gang s'appelle les chefs. Oui, je m'appelle Tony et je suis un chef. Et si tu paies pas pour ton séjour ici, j'ai peur qu'il t'arrive des bricoles. La dernière chose qui m'a menacé avait 9 pieds de haut et pesait pas loin d'une tonne. Ses dents étaient à peu près grandes comme ça. Il avait une fourrure blanche, magnifique. Cette fourrure blanche fait très jolie dans le salon, par terre, devant la cheminée. Vous ne serez pas aussi décoratif. McCall, Jack, approche un peu. Ta caution a été payée. Ah, super. Hé, hey, cowboy, c'est ton chewing-gum que tu cherches? Allez, bon, on y va. C'est sûrement un malentendu. J'aurais souhaité que ce soit ça, mais ce n'est pas le cas. Votre père et moi, nous avions conclu un marché, mais je connais absolument rien au monde de la presse ou de la télévision. Ah, oui, c'est évident. Malheureusement, mon père avait un tout autre avis. Bon, alors, résumons-nous. Il vous lègue tout ce qu'il avait et il me demande de le gérer. Non, non, non. En tant que curateur, vous contrôlez ma part de la société. Sauf si... Sauf si quoi? Continuez. Oh, il nous faut du temps. Le temps de permettre aux avocats de trouver une solution. Vous serez bien payé et vous logerez dans la chambre. Mais je ne veux pas être bien payé. Je veux récupérer mon loup et le ramener chez moi. J'aimerais vous aider, mais ce n'est pas aussi simple. S'il vous plaît, accordez-nous quelques jours le temps de trouver une solution. Et c'est marrant. J'ai peur de ne pas trouver ça très drôle. Non. C'est marrant de voir comment la vie vous met des bâtons dans les roues pour voir comment vous vous en sortez. Un grand nombre de citadins sont montés dans le Nord. C'était surtout pour les sbrouffes. Ils voulaient se faire le safari du trappeur du Grand Nord, de quoi frimer un peu, mais... Non, pas votre père. Votre père était un homme bien. Quand il revenait après quelques jours passés là-haut, il était comme rajeuni. Dommage qu'il ne m'ait jamais emmené. Non, au contraire, vous étiez avec lui. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié de vous la rendre. Il l'avait toujours sur lui. Il disait que vous étiez l'être le plus important dans sa vie.
La dernière fois qu'il est venu, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a bien failli manquer son avion et j'ai trouvé ça sur le bureau. Je pensais lui rendre à son prochain voyage. J'imaginais pas qu'il n'y aurait pas de prochain voyage. Oui. Merci. C'est la moindre des choses. Vous dormez toujours en sous-vêtements masculins? Les caleçons sont très à la mode pour les femmes. Ah, peut-être, mais je vous préviens, moi, je refuse de porter une chemise de nuit. Écoutez, dites-moi plutôt ce que vous venez faire dans ma chambre. J'arrive pas à dormir. Le matelas est trop souple, j'ai l'impression d'être avalé par une boule de guimauve. Sur le toit, je serai à l'air libre et je verrai les étoiles. Vous allez au-devant d'une déception. Ah oui? Et pourquoi? Il y a un toit au-dessus de votre toit? Ici, c'est la ville. Avec toutes les lumières, il est impossible de voir les étoiles. Où est votre loup? Si je déteste mon lit, lui, il l'adore. Ne bougez pas. C'est terrifiant, n'est-ce pas? De devoir attendre comme ça. C'est vrai. Je m'en suis aperçue juste après dîner. Elle n'était pas dans son état normal. Elle ne voulait pas s'amuser. Et ça, c'est comme si elle refusait la nourriture. Elle court toujours après sa balle. C'est la plus douce des tortues qu'il m'ait été donné d'avoir. Mademoiselle Madden. Oui? Vous pouvez aller la voir, mais pas trop longtemps. Comment va-t-elle? Est-ce qu'il faudra l'opérer? Probablement pas. Et d'ailleurs, le docteur n'a pas sa perceuse. Ah. Tout se passera bien. Pour Donnelly? Mm-hmm. Peut-être, j'espère. Papa disait que c'était un mot indien, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire champion. C'était votre idée de l'appeler comme ça? Qui savait que je dormais chez vous cette nuit? Personne. Oh, pardon, j'oubliais, Carver le savait. Carver, c'est votre frère? Non, c'est mon fiancé. Oh, bah dites donc. Vous croyez que c'était mon frère? Non, je me suis trompé, rien de plus. Est-ce que vous trouvez que nous avons l'air d'être frères et sœurs? Oui, vous êtes très réservé, presque distant même. Moi, j'en sais rien, c'est peut-être normal chez vous. Ce Carver était le seul à savoir que je dormais chez vous cette nuit. Oui. Mais Monsieur Steffil était avec lui, il a pu le lui dire. Il était avec lui? Pourquoi? Le conseil d'administration va se réunir pour parler des problèmes de la succession. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Carver est mon frère? Il me fait l'effet d'être du genre faucheton. Mais dites-moi plutôt où se déroulera la réunion du conseil. Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'un homme est du genre faucheton quand vous le connaissez à peine? Dites-moi où se déroulera la réunion et je vous le dirai ensuite. Dans le bureau du conseil, là où le testament a été lu. Mais vous n'y arriverez pas, il y a un ascenseur privé, il faut une... Si, j'y arriverai. Jack, nous avons promis de retourner au commissariat pour remplir notre déclaration. Ça ne sert strictement à rien que deux personnes fassent le travail d'une seule. Vous ne seriez pas en train de laisser tomber? Je vous demande pardon. À peine arrivé, vous vouliez déjà repartir pour l'Alaska en compagnie de votre loup. Alors si en plus on vous met des bombes pour vous effrayer, vous savez, c'est très compréhensible, mais il serait plus honnête de me l'avouer. Premièrement, si votre père a fait appel à moi, c'est parce qu'il avait confiance en moi et parce qu'il devait penser qu'il fallait vous surveiller un peu. Et ça, mademoiselle, je ne laisserai jamais tomber. Deuxièmement,
Si en effet quelqu'un essaie de m'effrayer, croyez-moi, il se fourre le doigt dans l'œil. Parce qu'il est hors de question que je laisse tomber, et encore moins que je fuis. Et troisièmement... Oui? Jamais je n'entrerai chez moi sans mon loup. Un instant perdu la raison. Oh, je t'en prie, tout dans son testament ne le prouve. Il lègue son empire à un type qui ne connaît rien aux finances. Erreur. Fielding lègue ses 51% de la société à Constance. Mais il lui donne le titre de curateur et on ne peut pas voter sans lui. Techniquement, Monsieur Sheppard, le simple titre de fiancé ne vous donne pas droit au vote. J'agis pour le compte de Constance qui me fait confiance. Bien. En tant qu'associé de Winston, mon opinion sera déterminante le jour du vote. Et je ne veux pas de quelqu'un qui ne connaît rien aux finances pour gérer la société. Oui, mais il se trouve que Winston était dans son droit. Il n'y a aucune raison de demander l'annulation de son testament. Mais tu es avocat. Tu vas nous trouver un moyen. On a plutôt intérêt à trouver vite. Gros Mark veut nous voir dès vendredi. Oh, j'appelle la sécurité. Ce que vous faites est parfaitement illégal. Laissez-moi entrer, j'aimerais qu'on s'explique. Je n'entends pas ce que vous dites. Vous dites ? Eh bien, laissez-moi entrer et vous allez m'entendre. Ces fenêtres ne s'ouvrent pas. Quoi ? Ah. Oh, c'est une blague, j'espère. Vous avez vos bureaux dans un immeuble immense et moderne et dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Vous avez perdu la tête, ma parole. J'ai prévenu la sécurité, ils ne vont pas tarder. C'est parfait, messieurs. Je les attends de pied ferme. Alors, qu'est-ce qu'ils feront ? Les fenêtres ne s'ouvrent pas, n'oubliez pas. Je comprends pourquoi Fielding m'a nommé curateur. J'ai peur que vous alliez au-devant de gros problèmes. Désolé les gars, vous avez oublié de dire s'il te plaît. Enfin, j'ai cru un instant que vous étiez perdu. Vous savez, d'ici au bureau, il n'y a jamais que 34 pâtés de maison. Oh, c'est vrai. Le vétérinaire a dit que ce ne sera pas grave. Au revoir. Ah, très bien. Très bien. Alors, vous êtes entré au bureau du conseil ? Non, pas exactement. Je les ai vus, puis on a discuté un peu. Est-ce que Gros Mark, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est une entreprise d'investissement. Pourquoi ? Par curiosité. La nuit dernière, à l'hôpital vétérinaire, vous m'avez dit que... Ah, ce n'était pas dit méchamment, bien sûr, mais il faut que je rectifie. Vous avez dit que je devais être surveillée. C'est entièrement faux. Vous êtes sûr ? J'en suis certaine. Carver dit toujours « Constance, tu ah, l'as plus réfléchi. » Il vous appelle Constance ? Oui. Ah, il vous dit jamais « Connie », même quand il se laisse aller ? Il ne se laisse jamais aller. D'ailleurs, on ne parle pas de Carver, mais de votre attitude paternelle incroyable. Mon attitude paternelle ? Oui, je vais vous dire. Oh, je sais ce que vous allez dire. Et croyez-moi, mes sentiments n'ont rien de paternel. Excusez-moi, je dois faire mon jogging. La porte n'est pas là-haut. Je sais où est la porte, mais j'ai une ou deux choses à faire avant d'aller courir, comme de mettre un peu de rouge à lèvres. Mettre un peu de rouge à lèvres avant un jogging ? Vous êtes beaucoup mieux sans. Serait-ce un compliment ? Non, c'est un fait. Prenez-le comme vous voulez. Et alors, tu veux un peu d'eau fraîche ? Allez, vas-y, bois. Ouais. Cruz, Anthony ? Ouais ? Ah, c'est super ! Bye bye, à un de ces quatre ! Ah. Ça m'a coûté cher de te faire sortir d'ici, alors faut renvoyer l'ascenseur. Ah non, c'est pas vrai, non, je t'ai juste piqué un chewing-gum. Tu parles d'une belle affaire, mec. Non, c'est pas pour le chewing-gum. Je connais quelqu'un qui cherche un guide. Alors je t'embauche. Tu ne te rends pas compte, c'était une vraie bombe, même la police l'a reconnue. Et tu crois que c'est moi ? Non, je n'ai jamais dit que c'était toi. D'ailleurs, je n'imagine pas non plus que Benjamin ait pu faire ça. Ce n'est pas dans son genre. Je ne connais personne qui soit capable de faire une chose pareille. Moi aussi, tu connais quelqu'un. Qui donc ? L'espèce d'homme des cavernes qui habite chez toi. Oh, pourquoi Jack aurait-il fait ça ? Ça vous a rapproché, il me semble. Tu l'appelles Jack à présent ?
Il a voulu gagner ta sympathie en se faisant passer pour la victime d'un sombre complot destiné à le faire fuir. Mais lui-même le dit, cette bombe l'a encore plus déterminé à rester. Oui, comme ça, il passe pour un héros, évidemment. Non, ma chérie, il a installé cette bombe et il s'est arrangé pour partir avant qu'elle n'explose. Oh, Carver, c'est trop compliqué. Je ne sais plus que penser de lui, je ne sais plus que penser de toi. Comment ça, tu ne sais plus que penser de moi? Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai pas fait mal, ça va? Non, ça va, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. Oh, je suis très très maladroit. Extra jogging, hein, c'est quoi comme matière? Ça va bien. Oh, bah vous allez bien, bah tant mieux. La prochaine fois, je ferai plus attention. Salut! Tu es sûr, tout va bien? Oui, je vais bien. Tu n'y vois pas d'inconvénient si je passe voir? Oh, si, j'en vois. Pourquoi? Tu es jaloux? Non, mais ça ne rime à rien. Après-demain, Monsieur McCall ne sera plus un problème. Si tu veux le portefeuille, donne-moi d'abord, comme convenu, les 80 dollars. Ça fait juste le prix de la caution, on y quitte. Oh, ça me ferait mal, tu plaisantes ou quoi? Incroyable, ce loup n'a aucun sens de l'humour, je l'aurais jamais cru, ça. Comment tu as su qu'il serait là? On met pas de rouge à lèvres quand on va courir toute seule. On peut savoir ce que tu cherches? Oui. En Alaska, on appelle ça un signe. Le signe qu'un animal est passé. Ne touche pas ça. Le signe que la nourriture se fait rare et que les animaux partent vers le sud. On n'est pas en Alaska, mais je pense qu'il y a aussi des signes par ici. J'aimerais au moins trouver une piste. Les factures, gaz, pressing, les cartes de crédit. Tu connais ça, là? Étang Macombé, là. Cuisine et résidence club. Quoi? Étang Macombé. C'est un club privé pour hommes avec restaurant. Tu vois, je pense qu'il y habite. Et tu sais où c'est? Ah ouais. Ah bah on y va. Tu crois que ça va durer longtemps, ça? Ouais, une demi-heure. Peut-être plus. Une demi-heure? Il y a des glaciers qui vont plus vite que ça. Dégagez la route! Je viens, moi, mais je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à redémarrer. Mais c'est pas vrai! Mais bouge ton camion, hein, j'ai pas que ça à faire! Écoute-moi, dès que ça roule, rejoins-moi au club Macomber. Reste ici, toi. Allez, le chien-chien. Pardon, je veux dire loulou. Excuse-moi, coucher, fais le beau. Voilà, si gentil. Très bien. Je te montrerai des vrais chiens à condition que tu restes bien sage. Dit de pas la laver. Excusez-moi, vous êtes membre du club? Bien sûr que non. Moi, ça me rassure, vous avez bon goût. Connaîtriez-vous un certain monsieur Shepard? J'ai son portefeuille. Pourrais-je savoir comment ce portefeuille est entre vos mains? Non. Bien. Si vous voulez me laisser ce portefeuille, Non. Si je vous laisse ce portefeuille, je n'arriverai pas à récupérer le mien. Vous avez celui de Monsieur Shepard, et il a le vôtre. C'était une soirée très mouvementée. Ah, je vois. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous pourriez l'attendre dehors, par exemple. Oui, bien sûr, je vais retirer mes bottes et puis je vais l'attendre sur ce divan. Non. Vous le trouverez sûrement dans le vestiaire du fond. Monsieur Shepard s'y change tous les matins après son jogging. Merci, vieux frère. De rien.
Tu parles d'une matinée. D'abord, Constance est un peu nerveuse. Une petite marche a détendu l'atmosphère. C'est son père, la tenait trop serrée. Elle n'a aucun sens des affaires. Il fallait la ramener à un peu plus de réalisme. Et j'ai dû la persuader que ce type devait s'en aller. Ensuite, je suis revenu en courant jusqu'ici. Et j'ai perdu mon portefeuille. Eh, hey, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Oh. Il y a encore des gens honnêtes dans ce bas monde. Dis, c'est toujours d'accord pour le poker ce soir? Non, je ne pourrai pas. Je vois Herman cet après-midi au Golden Globe. Mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. J'espère pouvoir convaincre Constance. Lui montrer combien cette offre est logique et raisonnable. Je crois que j'y arriverai. Tu nous manqueras, tu sais. Ce n'est que partie remise. Salut. Salut, vieux. Merci, merci pour tout. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. J'ai l'impression que vous vous êtes perdu. Non, non, c'est ici le Golden Glow, c'est bien ça. J'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser entrer ici comme ça, d'autant que tout a déjà été réservé pour ce week-end. Voyez-vous, je suis ici pour participer à la réunion Gromark Fielding. J'ai peur que ce soit privé. Oh, mais mon ami ici présent fait partie de la famille. Quel ami? Celui-ci. À toi de jouer. Il n'a rien mangé depuis une semaine, alors soyez très prudent. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, la réunion Fielding, vous savez où ça se passe? Je crois que c'est dans le salon blanc. Merci. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Le gardien, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Jack, que faites-vous là? Je vous cherchais. On m'a dit que vous étiez dans le salon blanc. On fait une pause. Ma présence ici avec Carver vous paraît extrêmement étrange, mais... Il y a des gardes partout. Par ici. Je vous en prie, je n'ai aucune raison de m'enfuir. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes douce.
Ah non, non, c'est pas ça, je veux dire... C'est une qualité de plus en plus rare de nos jours, et je m'en rends compte. Je sais que cette offre de vente peut paraître un peu hâtive, mais... Votre voix est douce également. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de très grosses voix en travers de mon chemin. Et sans hésiter, je préfère oui, la vôtre. Oui, je sais tout ce que vous a coûté de faire de plus, ce que je vous dois une réponse. Je devais vous dire ce qui m'a fait penser que Carver était du genre faucheton. C'est vrai. C'est quoi? Serrez-moi la main. C'est comme ça qu'il fait. Oui, je trouve que vous cherchez la petite bête. C'est une délicate poignée de main. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme ça que je fais. Ouais. Les sommes étant amorties au-delà de la période prévue en bourse, chaque membre du conseil d'administration réalisera de considérables profits. Bien entendu, toutes ces choses restent négociables. Mais à terme, les actionnaires verront leurs titres atteindre des sommets qu'ils n'osaient pas espérer dans leurs rêves les plus fous. Oui, je le pense aussi, et je crois qu'on devrait signer. Si vous avez des questions, je... Des questions? Mais quelles questions? Carver, vous précipitez un peu. Je ne précipite rien du tout, croyez-moi. Mon sens de l'à-propos est parfait. Plus nous attendrons et... Vous avez déjà trop attendu, Carver. Suffisamment longtemps pour me permettre de dire à ces gens ce que M. Fielding pensait des transactions de ce genre. Et pourquoi il s'y était toujours opposé de son vivant. Il n'y avait d'après lui que deux sortes d'individus dans ce monde. Les bâtisseurs et les profiteurs. Les bâtisseurs ne font que ça. Ils bâtissent. Des choses solides sur quoi on peut compter. Ils refusaient de traiter avec les autres, les profiteurs. Des gens qui pressent le jus d'une orange et ne laissent aux autres qu'une écorce sans pulpe. Il ne voulait pas que son entreprise soit la proie de ce genre de trafic, ni que sa fille y soit mêlée. Il voulait la préserver de la honte de telles opérations. Ce qui se passe dans cette pièce l'aurait dégoûté. Je crois que certains d'entre vous devraient avoir honte. Ce que vous dites ne concerne pas les membres du conseil. Ce qui vous concernera peut-être, c'est la bombe placée sous mon lit. Je n'ai rien à voir avec ça. La femme de ménage n'est pas du tout de cet avis. Comment ça? Elle a tout avoué à la police. Ils seront là dans un instant. Cette femme a menti. Sa déposition est limpide. Vous l'avez payée pour qu'elle vous laisse entrer. Pourquoi la payer? J'ai la clé. Vous pourriez lui courir après ou alerter la sécurité. Ah, c'est exact. Je m'en occupe. Messieurs, dames. Allons-y. Allez! Non, arrêtez pas ça! Faites quelque chose! Constance! Constance! J'ai eu envie que vous vous sentiez un peu comme chez vous. Et puis quand vous m'en avez parlé, j'ai trouvé l'idée si belle que j'ai décidé de le faire moi-même. Ah, quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez faire vous-même? À la mort d'un bon montagnard, on sort les verres à whisky, quelques biscuits et une chandelle. On allume la chandelle, puis on attend que le vent la souffle. On serre un verre. Et on a une pensée pour lui. Et grâce à ça, je devrais me sentir un peu comme chez moi. Ah, non, mais grâce à ceci. Oui, bien sûr, il ne vient pas d'un glacier. Bien sûr, il n'est pas aussi pur que dans le Yukon, mais c'est un vent libre et sauvage. Cette idée vous plaît, Jack? Oui, beaucoup. Thank you.
drôle d'endroit. Je n'en aurai pas pour très longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport que je vous ai renvoyé hier? Je tentais de vous y expliquer pourquoi la société Mervyn's nous donne aujourd'hui l'occasion de renégocier les termes de notre contrat. Constance. Jack! Constance! Jack, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, je pêche. Ça vous tente pour déjeuner? Je déteste ça. Quelle horreur! Avec vous, c'est toujours la même chose. Vous ne vous fiez qu'aux apparences. Oh, nous avons une réunion, vous vous souvenez? Oui, c'est une activité très répandue en ville. C'est exact, je l'avoue. Vous ne vous êtes jamais rendu compte de la quantité invraisemblable de gens qui restent assis à ne rien faire? Non, je n'y ai jamais songé. Mais dites-moi ce qui vous préoccupe. Écoutez, si je ne trouve pas de boulot, je parle d'un véritable boulot, je finirai bientôt par ressembler à Reynolds. Sans vouloir vous vexer, Reynolds. Quel genre de travail? Mais j'en sais rien, du boulot, n'importe quoi. Mais écoutez-moi, Reynolds. Après la réunion, pourquoi ne pas emmener Jack faire le tour de nos bureaux et lui montrer comment ça fonctionne? Ce sera très gentil à vous, merci. Mais mon rendez-vous? Ah, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, Reynolds. Moi non plus. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Grace. J'ai besoin de votre signature. Ma signature? Votre père insistait pour signer lui-même sa correspondance. Je vous précède. Ah, j'ai dit à tout le monde que la réunion se passerait dans le bureau de votre père plutôt que dans la salle du conseil. Mon bureau? Et personne n'a protesté? Excusez-moi, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Non, ils sont tous arrivés à l'exception de M. McCall. Oh, il ne va pas tarder, il a pris les escaliers. Mademoiselle. Vous n'avez pas d'autres instructions? Non. Merci, Grace. Oh, si, téléphonez à Mademoiselle Corda, Nathalie Corda, et confirmez-lui notre déjeuner. Je viens vous voir après la réunion. Bonjour, messieurs. Vous connaissez déjà Marion Reynolds, notre audite, ainsi que Jack McCall. Lui et son loup refusent de prendre l'ascenseur. Je vous demande pardon. Il a dit quelque chose comme « un homme risque de devenir mou en utilisant l'ascenseur ». Attendez, ça fait 29 étages. Oui, et il y en a même 33 si vous démarrez du garage. Messieurs? Vous n'ignorez pas que M. McCall restera avec nous comme le veut le testament de mon père. Et maintenant, prenez place, nous allons commencer tout de suite. Oh, Monsieur Edgewood, voulez-vous commencer? Eh oui, certainement. Et notre souci... Notre souci majeur aujourd'hui est la... Et la poursuite de la discussion avec la LFCC. Est-ce qu'il va bien, lui? Oui, il est affamé. Ah, où en étais-je? Oh oui, oui, notre filiale de Washington. Et il est nerveux tout de même, là. Enfin, il me semble. N'ayant, il vous trouve à son goût, c'est tout. Oh, Jack, pourquoi n'iriez-vous pas avec lui, lui chercher à manger? Monsieur Reynolds vous accompagnera, j'en suis sûr. Pourquoi pas une grande promenade, hein? Monsieur, dame. Adonelli. Reynolds. Marion, c'est vraiment votre prénom? C'est le même que John Wayne. Je vous demande pardon? Marion, c'est le vrai prénom de John Wayne. Enfin, je comprends qu'il ait changé. Ah, attendez. Il y a un saloon qui a une machine comme celle-là, à Skagway. Alors, je connais le truc. Oui.
je sais, Donnelly, tu as horreur des sucreries. Tout est dans le genou. Mais... Allez, viens. Vous avez une réunion à Beverly à 11h. J'ai essayé de joindre votre ami. Je crois que son numéro est en dérangement. Sans importance, Nathalie est toujours à l'heure. Du papier peint au mur. Excusez-moi. Je vais mettre du papier peint ici. Cette pièce va changer. Ah, mais votre père voulait... Il aurait compris. Grâce, j'adorais mon père et j'aimais aussi cet endroit, mais si je veux arrêter de vivre dans son ombre, je dois m'approprier cette pièce et la refaire à mon goût. Bien sûr. Voulez-vous que je convoque un décorateur? Non, j'en connais un, Dorian Blake. Il fera l'affaire. C'est vous la patronne. Donnez vos ordres et on les exécutera. C'est loin d'être aussi facile. C'est curieux cette attirance qu'ont les hommes pour la vie sauvage. Les hommes sont comme des aimants. Découvrez ce qui les attire et vous saurez les tenir. Et ainsi de suite, comptabilité, marketing, développement, bureau d'études du personnel et bien sûr les juristes. Tous les services dans le même immeuble. Mmh. Ah, laissez-moi deviner. Ici, c'est la salle de gym. Monsieur Fielding adorait y venir. Mmh. Moi aussi, d'ailleurs. Ah bon? Et vous y venez souvent? À chaque fois que je... C'est curieux. Je croyais que Monsieur Fielding dirigeait une flopée de magazines et qu'il faisait de la télévision. Mais j'ai rien vu de tel pour l'instant. C'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. Aujourd'hui, les cadres voient l'entreprise dans son ensemble. En ce qui me concerne, quand je viens ici prendre une suée, j'aime savoir que mes cadres supérieurs sont en selle. Vous savez, je connais rien aux grandes entreprises comme la vôtre. Mais je crois que vos cadres supérieurs réfléchissent surtout avec ce qui leur sert à s'asseoir. Oui, elle est déjà là. Merci beaucoup. Nathalie, je suis contente de te revoir. Excuse-moi, je suis en retard. Oh, laisse tomber. J'avais un truc à finir. Comment as-tu trouvé cet endroit? Ça sort des sentiers battus. Un ami m'a invité ici en revenant de l'hippodrome. Tu es déjà allée aux courses? Oh, la dernière fois, j'avais 8 ans. Tu devrais venir avec moi. Si tu voulais, on pourrait se payer du bon temps, toutes les deux. On pourrait y aller tout à l'heure, comme quand on séchait les cours. Oh, j'aurais aimé ça, mais je n'ai pas le temps. Oh, je t'en prie, tu n'as pas tant de responsabilités que ça. Oh, mais si, je dois gérer les affaires de mon père. Bien sûr. Je plaisantais. Moi, je ne plaisantais pas. J'aurais réellement aimé y aller avec toi, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh, si, ça va. Je t'assure. Elle est sale. Elle est avec une super nana. Et qui a du fric en plus, plein les poches. Elle est arrivée en limousine avec chauffeur. Oui, chef, on sait où est la fille. Dans un resto en ville. Oui, on y va. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Empêchez-la de s'enfuir. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Je travaille à droite, à gauche. La haute finance, bien souvent. Je pense m'arrêter quelque temps et prendre un peu de vacances. Partir en voyage. C'est super, où ça? J'en sais rien. N'importe où, il n'y a pas le téléphone. Tiens, ça me rappelle que je dois appeler quelqu'un. Jette un coup d'œil au menu, en attendant, je n'en ai pas pour longtemps. Et le chef va être comme un fou quand il va apprendre ça. Tu la fermes, tu veux? Et attends, on fait quoi maintenant? On va suivre sa copine. Quelle copine? Mais la copine à la limousine, abruti. Elles se sont vues et elles se reverront sûrement. T'es pas le patron pour rien. Mais... Je voudrais juste jeter un petit coup d'œil. Oh, monsieur Blake,
À présent, elle n'en a plus pour longtemps. Et je pense qu'elle voudra tout vous montrer elle-même. Allez, je vous en prie. Salut, Grace. Est-ce qu'elle est là? Non, Monsieur McCall, elle n'est pas encore là. Je dirais que vous êtes passé, si vous voulez. Non, c'est inutile, je vais attendre. Mais alors, faites-moi plaisir, appelez-moi Jack. Ah. Vous êtes un artiste, n'est-ce pas? Je vous demande pardon? Oui, je le disais à Constance, être naturel, c'est la seule façon d'être. Non, ne le dites pas, je sais où on a été présenté. C'était un vernissage, évidemment. C'était à MoMA, New York. Non, pas du tout. Ma maman habite Juneau, Alaska. Alors, chez Wilde et Oscar, peut-être? Ça vous fait plaisir? Mais j'en étais sûr. Et vous travaillez à l'huile, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire que je préfère la cuisine au beurre. Je la digère mieux. Oh, Constance! Oh, bonjour, Dorian. Il faudra m'excuser un instant. Jack, il faut que je vous voie. Attendez, j'arrive. J'y suis pour personne. Étrange vient d'arriver. J'étais avec Nathalie Corda, une amie que je connais depuis toujours. On était au restaurant pour déjeuner. Elle est partie téléphoner et elle a disparu. Bah, elle est peut-être malade, qui sait? Elle ne serait jamais partie sans dire pourquoi. Vous avez son adresse? Oui, c'est vers les boulevards. Pourquoi? Bah, si vous me donnez son adresse, je pourrais jeter un coup d'œil. C'est vrai? Bah, oui, c'est encore ce que je fais de mieux. Tenez. Passe par derrière. Allez, va. Mademoiselle Corda. Imagine la touche que t'aurais avec un manteau pareil. Hein? On part, Donnelly. Allez, viens. Oh, je ne sais pas. Que pensez-vous de celui-là? Le vert n'est pas votre couleur. Non. Je vous le répète, je ne pouvais pas entrer. Excusez-moi. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'empêcher d'entrer, mais... Ça ne fait rien, j'attendais, Monsieur McCall. Voulez-vous le garder une minute? Les loups ne figurent pas dans mon contrat. Alors, soyez sympa, s'il s'ennuie, vous lui grattez un peu le ventre. Oh, et vous croyez que je vais marcher? Non. Je vais y réfléchir et dans 2 jours, je vous téléphonerai. La hâte mène droit à l'échec. J'attends votre appel. Un constructiviste, j'en étais sûre.
Ça m'étonnerait qu'il laisse beaucoup de traces dans la neige, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Les poubelles de votre ami. J'ai supposé que vous aimeriez y jeter un coup d'œil. C'est trop aimable. Apparemment, la cuisine n'est pas son fort. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut juger une femme. Mais c'est une photo qu'elle ne voulait plus voir. Permettez. La couverture d'un guide de conversation en Tonga? Nathalie était une pacifiste active et elle a travaillé à Tonga dans le Pacifique Sud. Ce sont de petites îles. Il y a d'autres morceaux de la photo? Non. Mais il y a une chaussure cassée. Je crois qu'elle aime les chevaux. Pourquoi ça? La semelle de la chaussure. Et du crottin de cheval. Du crottin de cheval? Dégoûtant. Regardez ça. C'est Nathalie. Il nous manque des pièces au puzzle. Mais les boutons de manchette nous indiquent que leur propriétaire adore les chevaux, lui aussi. Le 136, qu'est-ce que c'est? On dit que c'est un excellent restaurant. Les morceaux manquants doivent être quelque part. Quand on était enfant, on était toujours fourrés ensemble, Nathalie et moi. Quand on est fille unique, on aime avoir une amie à qui on dit tout. Quelqu'un à qui se confier. Ma mère est morte, j'avais 2 ans et mon père ne s'est jamais remarié. Il était tout à son travail et à ses grandes balades dans le Nord. Nathalie était une amie fidèle. Toujours là quand j'avais besoin d'elle. Je vois, vous étiez... très proches l'une de l'autre. Oui. Mais tout doucement, avec le temps, la vie nous a séparés. On ne se téléphonait plus qu'une fois par semaine, et puis une fois par mois. En fait, il y a pas mal de choses que je ne connais pas d'elle. Ce fameux resto, vous y êtes déjà allé? Le 136? Pas jusqu'à ce soir. Très bien. Oh, ces pistaches grillées sont vraiment infectes. Cette Nathalie a dû perdre un gros paquet. La prochaine fois, je m'achèterai une autre marque. Ouais. Alors, regarde. Ça y est, elle repart. Ne vous en faites pas, ouais. Je saurais très bien la conduire. Qui c'est, ce cow-boy? Eh, j'en sais rien, moi, mais c'est quoi cette peluche avec une queue et des crocs? Ici. Je vous prie de m'excuser, mais les chiens restent dehors. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas tout à fait un chien. Les animaux, quels qu'ils soient. Acceptez-vous les animaux humains? Oui, bien sûr. Formidable. Parce que lui, il a plus de personnalité que la plupart des gens. Qu'est-ce que c'était, ça? Le dîner. Il me faut assister. Le dîner? On aurait dit un crapaud écrabouillé. Je ne comprends pas. Si vous faites l'effort de regarder de très près, vous arriverez à voir ce qu'il a mangé avant d'être capturé. Regardez de près. Si vous ne partez pas, je devrais appeler la police. Écoutez, nous ne désirons pas dîner. Nous recherchons cette femme. Je me moque de ce que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est, ça? Ceci est notre mousse de saumon. Une mousse de saumon? Je connais toutes les sortes de saumon et il n'y en a pas une qui contienne de mousse. Ceci ressemble plutôt à de la graisse de baleine. Faites-le partir. Et la photo? La photo? La photo, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est pas mauvais, la graisse de baleine. Non, non, non. Bien cuisinée, évidemment. Le secret, c'est de la mastiquer légèrement avant de servir. Oh, Jack, je crois que ce monsieur peut nous aider. Oh, franchement, j'en doute. Comment croire un homme qui ne fait aucune différence entre un poisson et un végétal? J'ai pris cette photo moi-même. Je ne reconnais pas la fille, mais ce monsieur, c'est Jérôme Rossiter. Sans voir son visage?
Les deux maillets sur les boutons de manchette. Monsieur Rossiter est un grand joueur de polo. Il a une écurie de poney à l'association Polo Club. Et maintenant, s'il vous plaît. Merci, vous avez été formidable. Et vous avez vu les prix en plus? Ces gens-là se font mousser encore plus que le saumon. Oui, oui, mon bonhomme, t'es beau. L'association Polo Club. Ce soir, c'est trop tard, mais dès demain matin, on y va. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. La voiture continue de nous suivre. Une voiture? Mais quelle voiture? Celle qui nous suit depuis notre bureau. Quoi? Vous en faites pas. À supposer qu'ils cherchent votre ami, tant qu'ils sont derrière nous, c'est qu'ils ne l'ont pas trouvé. Mais dès demain, il me faut une voiture. Une voiture? Eh bien, je vous donne la limousine. Ah, pourquoi pas? Oui, oh ben, elle est énorme, votre limousine. Elle est encombrante. En général, il faut un chauffeur, mec. J'ai rien contre Ray, mais dans mon pays, bien, les hommes conduisent eux-mêmes. Eh bien, je vous la donne malgré tout. Faites-en ce que vous voulez. Vous êtes le plus difficile des hommes que j'ai jamais rencontré. Après mon père, bien sûr. Je considère que c'est un compliment. Ce matin, j'ai appris qu'il avait pris la limousine. Je sais. Comment ça? Je l'ai autorisé. Ah non, Constance, vous plaisantez? Je ne plaisante pas. Nous allons au Polo Club et tout se passera bien. Que va-t-il en rester? Mais vous savez qu'une limousine ne se conduit pas aussi facilement qu'une voiture. Qu'est-ce que c'est? Un super 4x4. Ça vous plaît? Et alors, le plus rigolo dans l'affaire, c'est que je l'ai échangé. Échangé? Et contre quoi? Ah ben, l'énorme engin automobile que vous aviez avant. Vous savez, ça se conduisait comme un camion, mais sans en avoir les avantages. Vous avez échangé une limousine de plusieurs millions contre un 4x4? Non, un 4x4. Oh. Certains ne comprennent pas l'intérêt du troc. Je suppose que non. Pourquoi avez-vous fait ça? Mario, écoutez-moi. Vous savez, dans mon pays, pour survivre, il faut savoir troquer une chose inutile contre quelque chose d'utile. Je trouve que c'est un bel engin. Oui, et attendez de le voir rouler. Arrêtez. Installez-vous. Ah. Si vous avez envie de faire un tour, dites-le-moi. Qu'en pensez-vous? Magnifique. Excusez-moi. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Un chèque. Pourquoi? Pour la différence. La différence? Oui. Il y avait largement de quoi payer 3 fois le prix de la voiture. J'aurais demandé un chèque du complément à l'ordre de la compagnie. Mais vous avez dit à Reynolds que... Oui. Mais nous ne savons même pas s'il est là aujourd'hui. Si, il est là. Et puis de quoi il a l'air? Si on pose des questions, il va découvrir qu'on est sur sa piste et il risque de s'enfuir. Certaines questions sont mieux posées par un loup. Donnelly, sans. Allez, va, cherche-le. Cherche. Excusez-moi, vous êtes Jérôme Rossiter? Moi? Non, pas du tout. Rossiter est sorti aujourd'hui. Et lui, il n'en croit pas un mot. Mmh.
arrêter. Oh, oh. Maintenant, mon vieux, de deux choses l'une. Ou vous mangez le morceau, ou c'est lui qui mange. Oh. Où est Nathalie Korda? Je n'en ai aucune idée. Je jure que c'est vrai. C'est pour ça que vous étiez chez elle? Oh. Non, nous étions fiancés et on allait aux courses. Elle a adoré ça. Elle a fait quelques paris insensés et elle a perdu beaucoup. Elle doit de l'argent à des gens qui sont loin d'être compréhensifs. Ce sont ces gens qui nous ont suivis. C'est pour ça qu'elle a disparu. Je ne sais pas qui vous suivait, mais le chef de la bande est un gars qui n'est pas patient. Il a un tatouage sur le poignet et il plaisante pas. Ça fait 20 minutes qu'ils sont partis. Faut avertir le chef. On est seul, il est parti à l'ambassade. De Tonga, Tampa, enfin, ne m'ennuie pas. Allez, prends quelques chips. Et relax, elles sont extra. Tu veux aller jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Pourquoi moi? Parce qu'il faut bien quelqu'un dans la voiture au cas où il réplique. Hein? Oh, oh là. Quoi, tu les vois? Non. Mais alors pourquoi c'est... j'ai marché dedans. Je les vois qui se ramènent. Remonte vite dans la voiture. Je peux pas, ça colle. Tu vas monter dans cette voiture. Comme tu veux. J'ai du mal à croire que Nathalie ait pu faire ça. Elle a toujours été un peu farfelue, mais elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Où allons-nous la trouver? Elle est peut-être à Tonga. Jack, Tonga est un archipel de plus de 100 îles différentes. Mais qui a dit que ce serait facile? Ah, on a de la chance. De la chance? Les deux hommes de l'autre soir sont juste derrière nous. Et c'est de la chance? Tant qu'ils nous suivent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé votre amie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Prendre le chemin des écoliers. Je l'ai trouvée. Votre amie a fait une demande de devise il y a une vingtaine de jours. Et elle est venue les chercher? Mercredi dernier. Elle est partie à l'heure actuelle. Oh, pas obligatoirement. La grève des transports aériens continue toujours. C'est vrai, j'oubliais. Les seuls avions à relier Tonga sont pour l'instant des vols charter. Oui, je les ai fait.
Voulez-vous faire une demande de visa? Non, non, c'est très gentil, je vous remercie. Excusez-moi. Je vous en prie. Atitaye. Ma bola va. Non, c'est ma faute. Je suis dans un mauvais jour. Tenez. Non, c'est moi. Je ne regardais pas où je vais. Torp Covington. Constance Fielding, ravie de vous connaître. Enchantée. Il y a une semaine que j'essaie de rejoindre ton gars. Vous savez où je pourrais prendre un café? Non. Des amis à vous? Non, vous savez comment sortir d'ici? Oui, bien sûr. Ce serait pas un chien. Bonjour, Jack McCall, Torp Covington, études géologiques internationales. Jack, il faut s'en aller en vitesse. Qui sont ces deux gars? Des touristes. C'est bien. Pas aller, allez, vas-y. Ce pauvre monsieur Covington dans toute cette histoire. Vous inquiétez pas pour moi. Il est gentil, on dirait un fauve, mais ça n'est qu'un gros bébé. Votre ami a eu son visa? Oui. Le seul moyen d'y aller, c'est par charter. Par où commencer? J'ai fait les grandes compagnies aériennes. Aucun vol avant une semaine. Et la panne océanique Air? Qu'est-ce que c'est? Les charters avec lesquels je suis venu ici font tout le Pacifique. Oui, ça ne coûte rien d'essayer. Tu gardes la voiture. Il y a un départ à 3h30. Mais il est déjà presque 4h. Oh, on l'a manqué. Ah non, non, c'est pas sûr. Ils sont souvent en retard. Je vais voir sur la piste. D'accord, je reste ici au cas où... Écoutez, je voulais vous remercier. Grâce à vous, je vais pouvoir partir. Vous savez où je pourrais prendre un billet? Oui, 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 c'est juste à côté. Merci. De rien. À tout à l'heure. Oh, grâce à un ami de mon père qui vient d'Alaska, un trappeur. Un trappeur? Oh, sans importance. J'ai eu tellement peur pour quelqu'un toi. Quelqu'un sait que vous êtes là? Non. Connie, excuse-moi. Je voulais tout expliquer hier. Mais quand j'étais au téléphone, deux hommes sont arrivés et j'ai dû fuir. Quels hommes? Des gens à qui je dois pas mal d'argent. J'ai fait des grosses bêtises. J'ai parié. Tout a commencé d'une façon très innocente. Et j'ai d'ailleurs gagné quelquefois. Oh, pas beaucoup, mais suffisamment pour me faire croire que je pourrais un jour gagner gros. Merveilleuse sensation. Et puis... Combien tu lui dois? Je paierai. Il est trop tard pour ça. Tout ce que je veux, c'est une chance de recommencer à zéro. Et dans un pays où la vie est plus simple et où l'argent ne compte pas. Donga. Manquera beaucoup. Vous aussi, vous allez nous manquer, Nathalie. Mmh.
Excusez-moi. Cet appareil va à Tonga? Oui. Ce train d'atterrissage est plus coincé que ma belle-mère. Et pourtant, lui, il est neuf. Pourquoi? Vous y allez? Non, non, pas moi. Je me renseigne pour quelqu'un. Ah. Télérupteur fonctionne? Oui. Oui, il est bon. Il y en a encore pour combien de temps? 5 ou 6 minutes. Peut-être plus. Dites à votre ami qu'il devra s'y habituer. S'habituer à quoi? À patienter. Il n'y a rien d'autre à faire à Tonga. Elle sera ravie de l'apprendre. Une femme, hein? Oui. C'est donc pas vous qui avez téléphoné? Non, j'ai pas téléphoné. Pourquoi? Il y a un kidam qui a appelé du consulat de Tonga pour dire qu'il était en panne. Il voulait que l'avion attende le temps pour lui et son ami d'arriver. Une panne de voiture? Qu'est-ce que vous lui avez dit? La règle d'or de l'aviateur. La règle d'or? Ne décollez jamais sans être sûr de pouvoir atterrir. Par votre faute, bien des gens sont mécontents, Nathalie. Je vous avais perdu quand cette ravissante jeune femme m'a aidé. Je m'en veux, Nathalie. Ce n'est rien. De toute manière, il fait froid à Tonga à cette époque de l'année. C'est votre avion, on dirait. C'est dommage. Vous serez un peu en retard. Et maintenant, allons-y. Et vous, vous allez venir avec nous, madame. Mademoiselle Fielding. Peu importe. Vous accompagnerez mademoiselle Korda en voyage. Est-ce que nous y allons? Et on emmène ses bagages. Vous ne voudriez pas laisser la moindre trace derrière vous, non? Je les prends. Allez, mesdemoiselles, du nerf. Nathalie, sur toi! Venez, cours! C'est pas moi qu'ils veulent, c'est toi! Très mauvaise idée! Dépêche-toi, Nathalie! Quelque chose ne va pas. Je l'ai fait sortir par derrière, dès qu'elle est entrée dans l'appareil. Vous le saviez? Ah oui. À la minute où j'ai vu le tatouage sur son poignet. Et vous m'avez laissé à la merci. Ce n'est pas à vous qu'il en voulait. Je vais chercher ses bagages. Elle est vraiment très gentille. Je ne sais pas d'où tu le sors, mais c'est quelqu'un de pas ordinaire. Je sais. Enfin, il est utile dans certaines situations, je veux dire. Tu rigoles? Je me demande s'il viendrait à Tonga. Oh non, 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 il est en résidence surveillée. Oh, dommage. Au fait, quand part le prochain avion pour Tonga? Dans 10 mois, peut-être. Ah non, part dans quelques minutes. Quelques minutes? Mais où va l'autre avion? Oh, celui-là. Il va au centre d'études glaciaires de Baker, au pôle sud. Il ne revient pas avant août. Mais l'appareil qui partait à Tonga? Il est juste derrière. Excusez-moi. Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Eh bien, cette fois, je crois que c'est la bonne. Je le crois aussi. Oh, compte sur moi, je vais arranger les choses et tu pourras revenir parmi nous. Merci. Mais d'ici là, tu peux venir me voir?
Et amène ton ami avec toi. Je vais y penser. Dans cette affaire de recherche. Bon, suffit d'être capable d'attraper les mouches avec du vinaigre. Un point, c'est tout. Tu viens de Nelly? Non, je crois que c'est un don. Un don? Oh oui, si mon père vivait aujourd'hui, il vous aiderait à monter une affaire. Et on appellerait ça recherche illimitée. Et tous les gens qui cherchent une personne ou un objet viendraient vous trouver. Non. Auditeurs, ici Jorgen Ellis dans votre émission exposée. Nous sommes dans une rue de Los Angeles. Vous avez la chance unique de suivre l'incident en direct. Le problème est de savoir si SOS Animaux fonctionnera sur un simple appel de n'importe quel citoyen. Voyez là-bas. La situation est dramatique. Un camion transportant un ours sauvage a été accidenté. L'ours est maintenant en liberté. Combien de temps faudra-t-il à SOS Animaux pour intervenir? Ils ont dit quelques minutes. Nous constatons qu'il faut au moins une demi-heure, sinon plus. Attendez. Il y a quelqu'un maintenant? Laissez-moi faire, je lui connais. Qui êtes-vous? SOS Animaux? Foutez le camp d'ici. On est en direct. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de SOS Animaux ici, mais... Mais l'homme, quel qu'il soit, semble prendre une arme à l'intérieur d'un sac en papier. C'est... C'est une pomme. Une pomme. Viens là. Allez, viens. Dépêche-toi. Viens, mon joli. Allez. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens, allez. C'est incroyable, fantastique. À présent, il a réussi à ramener l'animal dans le camion. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, mesdames, messieurs, chers auditeurs, la séquence que vous venez de voir a été filmée en direct en même temps que je vous parlais. Monsieur, s'il vous plaît, un instant, je vous prie. Jorgen Ellis exposé. L'émission Vérité sans tricher, tout en direct. Félicitations, c'était absolument stupéfiant. Vous êtes... En retard. Non, qui êtes-vous pour ceux qui regardent notre émission? Ah. Écoutez, je suis simplement quelqu'un qui donne un coup de main, c'est tout. Mais tout de même, l'ours est retourné dans le camion, comment? Le coup de la pomme. Non, non, non. Je suis déçu, je suis très déçu. N'y allons pas par quatre chemins, je veux tout le monde, et je souligne tout le monde sans exception, dans mon bureau. J'en ai par-dessus là. Eh ben, ah, ben, vous voilà, vous. Ah ben, mais... Ah, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est affamé, peut-être. Il est toujours affamé. Les loups ont l'odorat très développé, et vous avez sans doute une bonne odeur. Mes propos ne vous offensent pas, j'espère. Non, pas franchement. Mais écoutez, je pourrais me laisser parce que... Les œufs. Je vous demande pardon. Les œufs, il adore les œufs. Ah. Oui, mais alors? Alors, vous avez pris des œufs au petit déjeuner. Mais comment le savez-vous? Vous avez du jaune d'œuf sur votre belle cravate. Sur ma belle... Oh, oui, mais dites-lui d'arrêter. Il me donne la chair de poule. Ne vous inquiétez pas, il raffole pas de la volaille. Vraiment, très drôle. Ah, voici ma liste. De quelle liste? Vous m'aviez dit d'établir une liste des choses dont j'aurais besoin. Alors, je vous la donne. Voilà, viens de Nelly. Mako, ah. Mac... Oh. Une tente de place. Un camping-gaz. Un sac de couchage en duvet d'oie, c'est à n'y rien comprendre. Il est impossible. Avez-vous trouvé le contrat de Matsuji? Non, et je ne crois pas que nous le trouverons. C'est impossible! Mon père avait négocié personnellement ce contrat avec le groupe Matsuji.
Verbalement, peut-être. Mais nous n'avons aucune trace écrite, dans aucun dossier. Mon père gardait toujours une trace écrite de ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas reçu d'ici vendredi un document dûment signé, nous aurons de gros ennuis. J'ai reçu un appel téléphonique de Monsieur Non ce matin et il représente une société d'investissement qui veut acheter FCI. Point final. Je ne suis pas vendeur. Si nous n'avons pas le contrat, vous n'aurez pas le choix. Bonjour. Jack. Salut, Reynolds. Grace a dû quitter son bureau un instant. J'espérais en quelque sorte que vous soyez seul et que je pourrais vous parler. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, Constance, Mademoiselle Fielding et moi discutons d'affaires de la plus haute importance pour l'avenir de cette société. Désolé. Je ne voulais pas vous chasser, Reynolds. Ce n'est pas le cas. En fait, je voulais justement venir vous voir. Excusez-moi. J'apprécie vraiment beaucoup tout ce que vous essayez de faire pour moi. Pas les pattes. Grace a contacté la compagnie du téléphone et je pense que vous l'aurez dès cette semaine. Constance. Et oh, j'ai aussi demandé une secrétaire intérimaire pour demain matin. Matsuji. À vos souhaits. Bon, écoutez-moi, les bureaux sont très bien. La décoration vous gêne? Non, la décoration est formidable. Alors l'immeuble? L'immeuble est merveilleux. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dois rentrer chez moi. Oh, quel dommage. Ma secrétaire est à votre disposition pour faire la réservation. Merci infiniment, Reynolds. Pourquoi? J'ai reçu une lettre ce matin de la Banque Skagway. Banque Skagway? La Banque Skagway est dépositaire des documents attestant de ma propriété. Mon prêt n'est pas renouvelé. Si je ne régularise pas la situation, ils vendront ma réserve naturelle aux enchères et aux plus offrants. Mais je... Excusez-moi. Mademoiselle Fielding, j'ai Madrid en ligne. Ils veulent absolument vous parler personnellement. Dites-leur de me rappeler dans une heure. Mais il est minuit à Madrid. D'accord, passez-les-moi. Ça ne prendra qu'une seconde. Buenas noches. Si, Constance Fielding. Ustedes están trabajando tarde. Entiendo. Écoutez, je comprends tout à fait. Non, mais rentrez chez vous, préparez vos bagages. J'arrangerai ça avec Constance. Merci, Reynolds. J'arrangerai ça moi-même. Tu viens, Donnelly? Donnelly, tu te trompes de porte. Allez, viens. Il est avec vous? Oui. Extra. Je viens du restaurant qui est juste en face. Et on m'a commandé un déjeuner, un certain Edgewood, mais il a annulé sans avertir. Ce chien me semble affamé, dites donc. Mais il est toujours affamé. Ne vous inquiétez pas, tant qu'il est avec moi, ça se passera bien. Ah, hein? Jack, attendez! Il faut que je vous parle. Écoutez, il n'y a rien à dire. Je dois m'en aller. Mais il n'y a aucune raison. Nous pourrons délexer l'argent là-bas. Constance, j'apprécie du fond du cœur ce que vous essayez de faire, mais je ne peux pas accepter votre charité. Ce n'est pas de la charité. Mon père a choisi de vous nommer curateur dans son testament. Et tant que vous acceptez de me conseiller, nous devons vous payer. Excusez-moi. Je vous en prie. Reviens, s'il vous plaît. À votre service. Excusez-moi. Et gentil, toutou. Alors? Alors quoi? Alors vous restez? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'être vraiment utile à quelque chose ou à quelqu'un ici. Utile? Et gentil, calme-toi. Gentil. Vous pourriez faire une chose. Il nous manque un contrat que mon père avait signé avec une société Matsuji. Tu veux être sage? Alors, mais cette bête a un nom, s'il vous plaît. Donnelly, où est-ce que vous avez cherché ce contrat? Ah, Donnelly, tiens, pour toi, là. Dans les endroits évidents, le bureau de mon père, les classeurs, les tiroirs, à la maison... Est-ce que vous avez essayé de chercher dans un endroit un peu moins évident, comme sa maison à la montagne? Ah, l'Ermitage. Mais on dirait qu'il aime les côtelettes, hein? Oui, l'Ermitage. Il me disait qu'il y réfléchissait mieux, là-haut.
chien. Oh, mais il aime tout, ce chien. Je dirais que ça vaut la peine d'essayer. Écoutez, si je vire l'argent dont vous avez besoin à cette Skagway Bank. Skagway. Répétez, la banque Skagway. Vous... Je peux essayer. Oui, oui. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, j'essaierai. Vous voulez m'accompagner? J'aurais été ravie, mais j'ai une réunion. Ah, je vois. Mais si je trouve quelque chose, je vous le dirai. C'est toujours tout droit jusqu'au sommet, puis vous verrez une boîte à lettres posée sur une vieille charrue. Oh, la clé est au-dessus de la porte. D'accord, merci. Viens, Donnelly. Boîte aux lettres sur une charrue. Apparemment, c'est là. Bah oui, j'oubliais, t'es déjà venu ici, hein, pas vrai? La clé au-dessus de la porte. Ah, c'est donc ça, le fameux ermitage. Au boulot, cherchons le contrat. T'as entendu quelque chose? Allez, va voir. Dépêche-toi. Allez, viens, Donnelly. Vous devez être Monsieur McCall. Mon nom est Betty. Je suis l'intérimaire. Intérimaire? Votre nouvelle secrétaire. Heureux de vous connaître. Il y avait un homme de la compagnie du téléphone ici, mais je ne le vois plus. Est-ce que c'est lui? C'est lui. Oh là là, j'avais bien dit de vous attendre. Mais vous les connaissez, les installateurs du téléphone. Ils sont pas sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler un médecin? Je sais de quoi je parle, croyez-moi. Il casse, il remplace, et c'est deux fois le prix. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Betty va vous arranger ça. Oh, je suis vraiment confuse. Vous avez l'air un peu mouillée.
Ce sont les derniers dossiers à vérifier. Oh, merci, Grace. Ah, je me souviens en effet que votre père disait avoir signé certains papiers et les avoir envoyés. Mais nous n'avons rien reçu en retour de la part de M. Matsuji. Il est indispensable que je voie toute la correspondance de la société au sujet de tous les appels d'offres, sans exception, au cas où le contrat aurait été mal classé. Avez-vous réussi à joindre Jack à son bureau? Non, selon la compagnie du téléphone, leur technicien a eu un accident. Ils ne pourront rien faire avant demain matin. Ah, oh, un monsieur non a appelé. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il prenne rendez-vous, mais il disait qu'il était dans le coin et qu'il en profiterait pour venir déposer sa carte de visite. Merci, Grace. Tenez, vous avez vu ça? Ah, Jorgen Ellis, il ne manquait plus que ça. Je dirais au contraire que c'est un atout. Il fait l'émission la plus cotée de la télévision. Il est sous contrat avec nous. Un individu non identifié, portant une doudoune et des bottes de cow-boy? Ça ne vous rappelle rien? Non. Pas Jack! Qui d'autre correspondrait à ça? Hein? Pourquoi? Ah, attention, je crois qu'il s'agit d'un canular. Il a peut-être loué l'animal et ensuite appelé Jorgen. Il y a des gens qui ont besoin de ça. De se faire remarquer à tout prix. Oh, je ne le crois pas. Ils disent que c'est un homme non identifié. S'il voulait de la publicité, il commencerait par donner son nom. Ça ne ferait qu'augmenter le mystère, bien sûr. C'est bien plus efficace en opérant de cette façon. La prochaine fois, il sera sûr d'être en première page. Prochaine fois? Il l'a fait une fois, il le fera encore. Oh, je ne le crois pas. Je le croirai que quand je le verrai de mes propres yeux. Vous êtes bien trop bonne. Où allez-vous? Je mène ma propre enquête. J'ai chargé Jack de trouver le contrat de Matsuji pour moi. Quoi, un cow-boy qui se prend pour Saint-François d'Assise? Un type qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Je sais que si le contrat existe, il le trouvera. Mon père avait confiance en lui et moi aussi. Excusez-moi, mademoiselle Fielding. Voici monsieur Non. Notre acquéreur acharné. Acharné est un peu excessif, peut-être. Disons que je désire acheter. Monsieur Non. Oui. Oui, je croyais que c'était Non. Oui. Non. Je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vous laisse. Vous savez où me trouver en cas de besoin. Ah, que puis-je faire pour vous? Je suis Constance Fielding. Il est ici? Pas tout à fait. Je n'ai pas saisi votre nom. Ce n'est pas grave, je connais le chemin. Un instant, s'il vous plaît. Vous désirez voir Monsieur McCall? Oh, il est sorti? Mais, il est monté. Monté? Il est plus haut. Voilà. Oui, je fais du café. Vous en voulez? Non, merci, je préfère du thé. Que faites-vous ici? Vous campez sur les toits? Tout bien considéré, c'est l'endroit le moins dénaturé que j'ai pu trouver par ici. Il va pleuvoir ce week-end. Vous croyez? J'aurais pas droit par hasard à un peu de neige? Pas en Californie du Sud, je le crains. Ah, asseyez-vous. Je ne l'aurais pas cru, mais en fait, les montagnes ne sont pas si loin, après tout. Je crois que je vais aller y faire un tour, histoire de m'aérer un peu, voir les paysages. Vous allez souvent dans les montagnes? Pas récemment, non. Ah, j'ai pas de thé. Je croyais vous avoir loué un bureau bien exposé, joli, spacieux et tout le reste. Parfaitement bien exposé, spacieux pour vous peut-être, mais pas pour moi. Oh, j'ai visité la cabane de votre père la nuit dernière, Connie. Et vous avez le contrat? Ah non, 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 je ne l'ai pas trouvé. Il y avait déjà quelqu'un sur place. Qui ça? Il ne s'est pas présenté. Et au lieu de me serrer la main, il a préféré cogner. Oh, mais c'est pas vrai. Ça va? Oui, ça va. C'est pas grave. Et maintenant, si vous me disiez en quoi ce contrat présente un si grand intérêt pour certains? Oh, juste avant de mourir, mon père avait collaboré au projet d'un satellite avec la société Matsuji International. Un projet d'une importance capitale. À la mort de mon père, la personne avec qui il avait négocié le contrat a pris sa retraite. Et Matsuji International prétend que le contrat n'a jamais existé. Si nous ne pouvons prouver le contraire, les conséquences pourraient être fâcheuses. Alors c'est simple, retournons-y et reprenons les recherches. Êtes-vous certain de ne pas vouloir vous faire examiner la tête? J'aurais dû le faire avant de quitter l'Alaska. Ce café est imbuvable. Allez, Donnelly, viens. Dites-moi, l'échelle de secours n'étant pas très commode, on pourrait peut-être prendre l'ascenseur.
Deux pistes. Quelqu'un est entré ici et ressorti de l'autre côté. En disposant de très peu de temps. Comment le savez-vous? Regardez, les empreintes sont profondes. Sauteriez-vous par cette fenêtre sans y être obligé? Non. C'est surprenant de voir tout ça à partir d'une simple empreinte. Oui. Mais alors, si l'intrus cherche le même contrat que nous, comment être sûr qu'il ne l'a pas trouvé? S'il l'avait déjà trouvé, le contrat. Pourquoi se donner la peine de m'assommer? Mon père avait un défaut épouvantable. Il ne jetait absolument rien. Comment retrouver quelque chose dans ce fatras? Votre père et ce Matsuji étaient de bons amis, alors? Oh oui, ils étaient amis de longue date. Ils jouaient au golf, ils partaient parfois ensemble à la pêche, ils se faisaient des blagues. Oh, par exemple, une fois, Matsuji a dit à mon père qu'il n'avait jamais le temps, que chaque minute du jour était programmée d'avance. Alors, mon père lui a envoyé une montre sans aiguille. Quoi? Oh, le mobile. Quand il a ouvert le paquet, mon père n'a pu s'empêcher de rire. Il disait que Matsuji l'avait appelé « migration d'oiseaux vers l'ouest en hiver ». De vieux complices. Oui. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Le coffre-fort du capitaine. Une antiquité. Mon père l'a acheté aux enchères et il provient de l'épave d'un transatlantique. Il a mis des années à trouver la combinaison. Et quand enfin il a réussi, il en a changé. Il disait qu'il me l'offrirait pour mon anniversaire, mais il ne l'a pas fait. Le coffre! Quoi? Le contrat est dans le coffre, je le sais, je le sens. Il faudra donc qu'on l'emporte dans mon bureau et qu'on appelle un serrurier. Non, non, je crois pas que... Je prends votre chapeau, vous prenez ce coffre. Oh. Oh. Regardez ce qu'il fait. D'ailleurs, quelque chose dans l'arbre. Hé! Hey. Quoi? Vous voulez... prendre les clés dans mes poches, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, dans quelle poche? Celle de devant. De la veste? Non. Du pantalon. Du pantalon? Oui. Non. Elles sont coincées. Ah, décoincez-les. Mais elles sont vraiment coincées. Vous avez vraiment essayé? Bah oui, je ne fais que ça. Mais si vous essayez... Jack? Oui. Regardez, les voilà. Ah, formidable. Rien de cassé? Rien de cassé. Oh. Ah. Ah. Oh, regardez. Ah. Peut-être ça qu'il avait senti la nuit dernière. Allez, viens, je vais t'aider. N'aie pas peur, tout va bien. Viens. Il a peut-être faim. Je l'adopte. En route, Nelly. Allez hop, saute. Allez, dépêche-toi. Voilà. Il est extra, non? Oui, extra. Thank you.
sommes pas seuls. Ça n'a rien de normal. L'homme qui m'a frappé est juste devant nous. C'est plus la peine de s'en faire. Si ça ne vous fait rien, la prochaine fois que vous penserez que votre heure est venue, déposez-moi au premier carrefour. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je lui dirai. C'est entendu, au revoir. Elle n'est pas là. Il est 5 heures passées, où est-elle? Oh, je l'ignore. Oh, bonjour, mademoiselle Fielding, monsieur McCall. Vous l'avez changé contre le loup? Non, il est resté dans la voiture. Il est mignon. Oh. Grace, trouvez-moi un très bon serrurier capable d'ouvrir n'importe quel coffre-fort à la première heure demain matin, s'il vous plaît. Jack, vous venez avec moi? Grace, appelez-moi Jack. Salut, Reynolds. Là, mettez-le ici, sur mon bureau. Reynolds, vous êtes avocat. Vous devez connaître quelqu'un qui peut ouvrir ça, non? Vous me prenez pour qui? Constance, heureusement que vous êtes là. J'ai rassemblé les dossiers de Matsuji et j'aimerais vous en parler. Ce ne sera pas nécessaire. Et pourquoi ça? Parce que... Tony, de Constance, pense qu'il est possible que le contrat soit dans le coffre. Et qui a trouvé ce coffre? Jack. Oui, ici, l'émission exposée. Non, Jürgen n'est pas libre. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire? Dites à Jürgen que nous venons d'apprendre que le coffre contient l'étoile de l'Est. 72 carats. C'est un saphir qui a appartenu autrefois au dernier tsar de Russie. S'il veut une diffusion en exclusivité, il pourra tourner en direct demain matin au bureau central Fielding. Mon nom, Jack McCall. Et quels sont les résultats? Néant jusqu'ici, c'est tout de même incroyable de disparaître comme ça. Où pourrait-il se cacher? Une petite boule de poils, ça peut glisser partout. Ah, j'ai fini par trouver une société spécialisée dans les coffres-forts. Ils envoient quelqu'un. J'attends d'une minute à l'autre. C'est bien. Appelez-moi dès son arrivée. Vous avez perdu quelque chose? Bonjour, monsieur McCall. Bonjour, Grace. Donnelly, va te coucher. On cherche le chaton. Il a disparu hier soir à l'heure de la fermeture et il n'a pas réapparu. Et vous avez pensé à lui donner un bol de lait? Rien n'est pire dans la vie qu'un homme logique. Grace? Je sais. Je reviens tout de suite. Oh, excusez-moi. Faites chauffer le lait, ils adorent ça. Oh, mais vous êtes une vraie mère chatte. Merci beaucoup de votre aide, Jack. Oh, je vous en prie, c'est un plaisir. Je voulais vous dire que j'y retourne pour vérifier quelques détails. Mais j'attends le serrurier pour ouvrir le coffre-fort. Il va arriver d'une minute à l'autre, puisque le contrat est sans doute dans le coffre. Je sens que je dois y retourner. Faites-moi confiance. Excusez-moi, je cherche une demoiselle Fielding. Oh, je suis Constance Fielding. Vous devez être le serrurier. Technicien de sécurité, compagnie Talbot, mon nom est Dave. Oh, eh bien, je suis ravie que vous ayez pu venir aussi rapidement, monsieur. Pas de problème, madame. Quel que soit le coffre, la marque, le modèle ou le type de fermeture, dites-moi où il est et je vous l'ouvrirai. Enchanté, Dave. Est-ce que vous connaissez les coffres anciens? Pas de problème. Coucou. Voilà du lait chaud. Au chaton. Chaton. Chaton, chaton, où es-tu? Viens, chaton. Où est-ce que tu étais? Dis-moi où tu étais caché. Il faut que j'y aille. Bonne chance, Dave. Dans le monde de la science, la chance n'a pas sa place. Si je trouve quelque chose là-bas, je vous le fais savoir. Pourquoi n'attendez-vous pas? Je suis persuadée que ce coffre sera ouvert en moins de 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette tache verte, là? Oh, rien, c'est des fientes d'oiseaux.
J'ai peur que ce soit long. Donnelly. Oh. Non, attends. Donnelly. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Grace, c'est trop tard. Laissez-lui son lait, je vous le ramène tout de suite. Donnelly. Et donc, en supposant que votre groupe ait les moyens de nous racheter, vous aurez besoin d'un service juridique et d'une personne familiarisée avec l'ancienne société qui sache s'adapter à la nouvelle. Une personne comme vous, peut-être? Moi? Vous croyez? Oh, j'y avais pas pensé, mais... Oui. En effet, ce n'est pas impossible. J'en parlerai, je vous le promets. Donnelly, où es-tu passé? Et surtout, j'espère que tu ne fais pas de bêtises. Monsieur Don, à bientôt, j'espère. Dessus depuis plus de 20 minutes. Il ferait bien de se dépêcher. Voici l'offre d'achat de Monsieur Non et de son groupe. Qu'en pensez-vous? C'est très sérieux. Si nous ne retrouvons pas le contrat de Masuji, il possède ce pays, cette compagnie. Je sais que mon père a signé ce contrat. Il est sûrement dans ce coffre. Vous verrez, ayez un petit peu de patience. Où est McCall? Il est retourné à l'Ermitage pour une dernière vérification. J'aimerais tant qu'il soit là. Moi aussi. Convocation, parfaitement. C'est ici, voilà. C'est ça, Paula. Trouvez-moi un support pour ça. Là, vous aussi. Là, au fond de la pièce. Parfait. Ok, ok. Allez, au travail. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, décidément, vous avez tous les culots. Allez, vous me répondre. Allez, 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 mettez-le ici, attention. Posez-le doucement, là, doucement. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous faites dans mon bureau? Nous transmettons en direct la découverte de l'étoile de l'Est. Pardon? L'étoile de l'Est, un saphir de 70 carats sorti en fraude de Russie aussitôt après la Révolution. Je sais de source sûre que le saphir se trouve à l'intérieur de ce coffre. Je crains de ne pas très bien comprendre. Et pourquoi ne pas me laisser m'en occuper? Parce que je peux le faire moi-même, Reynolds. Allez, allez, viens vers moi. Allez, 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 plus vite, plus vite. Chers spectateurs, ici Jorgen Ellis dans l'émission Vérité Exposée. Nous sommes en direct cet après-midi dans les bureaux de la Fielding Communication, dont la présidente est Constance Fielding. Écoutez, en tant que reporter, vous avez peut-être droit à quelques privilèges, mais dans ce bureau, vous avez deux facteurs contre vous. Primo, ici c'est un lieu privé. Secondo, vous travaillez pour Fielding Communication. Permettez-moi de vous dire, avant d'aller plus loin, que ceci est une émission en direct, comme vous le savez. Je vous le dis en direct et pour la dernière fois. Sortez de mon bureau sur le champ, monsieur. Non. Mon contrat prévoit que vous ne pouvez pas censurer mon émission et si vous voulez me poursuivre, vous devez me fournir un avocat. Est-ce que c'est vrai? Oui. Comment pouvez-vous en être sûr sans vérifier? Parce que j'ai négocié son contrat. C'était le seul moyen d'obtenir son accord. Oh, quelle consolation! Vous assistez à un événement historique de la télévision. La découverte de l'étoile de l'Est, le fameux saphir, est transmise en direct dans Exposé. Nous revenons dans quelques instants.
C'est moi que vous cherchez? Moi aussi, je vous cherchais. Tout ce que je veux, c'est un combat loyal. Juste entre vous et moi. Direct du droit. Direct du gauche. J'ai une prise spéciale, John Wayne, mais... Ben, ce serait pas gentil. Migration d'oiseaux vers l'ouest en hiver. Mais enfin, vous m'avez bien dit que vous saviez ouvrir n'importe quel coffre. Non, je vais vous expliquer. Une serrure est faite de plusieurs sections qui grincent doucement quand on tourne. Et chaque section a un dispositif qui tombe en place avec un flop. Et lorsqu'une serrure est vieille et rouillée, c'est très difficile d'entendre tous les flops, parce qu'il y a trop de grincements. Je sais pas si je me fais bien comprendre, là. Où l'avez-vous trouvé? Dans les pages chaudes. L'évidence est là, le coffre ne cédera pas aux procédés normaux, mais l'Amérique a le droit de savoir. Et c'est pourquoi Exposé se prépare à lui donner cette réponse en tranchant dans le vif avec une tronçonneuse. C'est le coffre de mon père, je ne vous permettrai pas d'y toucher. Mais nous avons un saphir d'une valeur exceptionnelle dans ce coffre. Jorgen, écoutez-moi, il y a un contrat dans ce coffre, alors qui a bien pu vous parler d'un saphir? Un homme du nom de McCall, Jack McCall. Est-ce que par hasard on parlerait de moi? Vous l'avez appelé? C'est vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et je vous ai compté que le déplacement. Quoi, 150 dollars pour rien du tout? Ah ben ça, vous voyez ça avec mon patron. Allez, bonsoir, monsieur et dame. Hey! Vous êtes fou ou quoi? Je dois ouvrir ce coffre. Je vais vous l'ouvrir, moi, ce coffre. Le voilà encore, mesdames et messieurs, le mystérieux héros. C'est lui qui, en direct dans notre émission, avait risqué sa vie pour sauver des vies humaines. 27. Il a maîtrisé à main nue un ours dangereux. Répétera-t-il son exploit? 10. Qui est-il? Un imposteur, un magicien, un héros moderne? La suite nous le dira. Ma date de naissance. Il a réussi ici même, en direct, avec Exposé. Grâce à Exposé, vous avez été les témoins d'un événement extraordinaire. Mais cette fois, les dés sont pipés. Le coffre est complètement vide. Mesdames et messieurs, quelqu'un a volé l'étoile de l'Est. La question est... Jorgen, vous êtes viré. Mais et vous aussi, pas... Reynolds. Le droit de... Ah, trop tard. Et vous, pourquoi ne retournez-vous pas en Alaska? Je viens vous dire au revoir.
Puis j'ai deux ou trois choses à voir avec vous. Pourquoi? Je sais régler une affaire toute seule. Ouais. Vous pensez toujours que j'ai appelé ce... Comment il s'appelle déjà? Jürgen? Peut-être. Je ne sais pas si ce n'est pas vous, alors c'est qui? Il aurait pu s'inviter lui-même. Il est si intéressé par sa personne qu'il serait capable d'engager un détective pour suivre son ombre. Ça n'a plus d'importance maintenant puisque le mal est fait. Allons, voyons. Écoutez, je ne vois pas qui prendrait au sérieux les propos d'un tel personnage. Tout le monde. Il entre dans tous les foyers. Ah oui, les médias. Vous êtes encore plus fou dans les villes que je ne l'imaginais. Je commence à comprendre ce que votre père cherchait en Alaska. Oh, mon père. Oh, j'étais justement en train de penser à lui. Combien cette société était chère à son cœur, quand je pense qu'il est parti de rien, quasiment. Et moi, en un minimum de temps, j'ai semé la pagaille. Un sacré exploit. Croyez-vous pas que vous êtes un peu trop dur envers vous-même? Je ne le crois pas. J'ai simplement réussi à virer le présentateur le plus coté de la télévision, il va me poursuivre. J'ai viré mon avocat, il a la mâchoire cassée. Eh ben bravo. C'est pas si mal. Le coffre était vide. Ouais. Et le contrat reste introuvable. Je n'ai plus aucun moyen d'empêcher la vente demain. Peut-être que si. Qu'est-ce que vous faites? Les oiseaux migrateurs ne volent pas vers l'ouest en hiver. Ils volent vers le sud. C'était la dernière blague que Matsuji a fait à votre père. Sauf que votre père est mort avant d'avoir pu décoder le message. Tenez. Le contrat, tout y est. Ça mérite quoi? Mes félicitations. Ben oui. On dirait que rien n'est compliqué pour vous. Vous parlez avec les loups, vous trouvez tout, que ce soit un contrat ou un chaton. Où que vous vous trouviez, c'est toujours le bon endroit au bon moment. Vous ne commettez donc jamais d'erreur? Il y a une erreur que je répète tous les jours, c'est mon café. C'est vrai que j'ai un truc. J'essaie de ne pas me laisser dépasser. Vous rendez tout si simple, je vous hais. Oui. Votre père a formulé comme ça. La plupart des gens perdent leur chemin en suivant d'autres gens sur un chemin erroné. C'était vraiment quelqu'un, votre père. Oui. Et vous aussi, Constance Fielding. Alors, est-ce que... Ah. Oui. Comme ça, vous allez partir? Je sais pas. Pourquoi pas? Eh bien, il y a ce chaton. Vous l'avez retrouvé? Non. Je ne l'ai pas retrouvé. Denelli l'a retrouvé. Oh non. Si. Sûrement pas.